Le professeur Blimey Abdelrazak, chef de service, médecine physique et réadaptation, EHS Texarayn. Donc en fait, aujourd'hui, ça a été le séminaire formation pour les pharmaciens et c'est surtout pour le concept du sondage intermittent. Alors ma présentation ça a été sur le sondage intermittent et quel est le rôle du pharmacien pour ce sondage intermittent. Donc, sondage intermittent. Le rôle du pharmacien dans cette histoire, c'est d'assurer la disponibilité de ces sondes qui sont particulières, parce que ce n'est pas un sondage à demeure, c'est un sondage intermittent, et le fait en plus que ces sondes soient remboursables. Donc, le pharmacien doit assurer la disponibilité, il faut qu'il s'assure de la prescription médicale et voir quel type de sonde il doit donner, par rapport aux charrières, donc les dimensions de la sonde, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, où les patients n'ont pas reçu, on va dire, les bonnes sondes, les bonnes charrières, les bonnes. Donc, c'est toujours bien de faire ce genre de séminaire, de sensibilisation, de formation et d'information, justement, pour éviter ce genre on va dire, de problèmes. Et ça, tout ça est fait pour le bien, bien sûr, du patient.